Moving like the speed of sound. Feet can keep on the ground. Can't stay in one place. Keep moving like a bullet train. Quand on parle d'exemple, on regarde le plus jeune également et la 11e position du jeune Sarri. Superbe. Il était 14e sur la grille de départ et ce môme de 15 ans est en train de faire un effort considérable pour amener cette voiture entière d'abord et puis ensuite en position aux portes du top 10. Il est 11e et pour l'instant, eh bien, il fait une course absolument nickel. La position qui est la sienne en tout cas est largement enviable pour des gens qui ont son statut, c'est-à-dire être un extrême rookie. On va l'appeler comme ça, avec 15 ans. Ça fait quand même pas vieux. Et en même temps, il est fils d'eux, hein, Christophe, avec qui on partage de très bons moments, qui avait gagné en 1994 cette épreuve, de même que d'ailleurs Bernard Castagnier l'avait emporté lui en 1988. Vous voyez qu'on est maintenant sur la génération 2 de ces pilotes qui ont des gènes quelque part, qui ont reçu l'éducation sportive nécessaire évidemment pour avoir l'ambition justifiée par ses positions. Alors qu'on cherche les performances réalisées par le pilote Sarri qui amène son arbre et les couleurs balades donc plutôt bien puisqu'il occupe pour l'instant le 12e rang du haut de ses 15 petites années. Il y a de quoi faire, hein. Je peux vous dire que dans un an, la saison prochaine, il y aura des soucis à se faire pour essayer de suivre ce garçon, on l'espère en tout cas. Belle course du jeune Jérémy Sarri. Allez mon ami Jérémy, à chacune de ses sorties, il progresse considérablement. Il est actuel 10e du groupe, mais il a 15 ans. C'est étonnant, il n'a jamais, évidemment, à part en compétition, conduit de voiture. Donc ça souligne encore une fois cet exercice de la compète qui est vraiment énorme, qui arrive à faire sortir des talents. Train.